Salut à tous, c'est Démon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Elder Scrolls Online, Tezo. Alors, comme je vous ai dit, j'enregistre à chaque fois que je vais jouer tout ça. Je vais essayer de jouer à peu près 1 heure par jour pour le moment. Hein. J'espère y arriver. Donc, effectivement, si vous mettez des commentaires sur les vidéos de ah tiens, t'as oublié de faire ci, t'as oublié de faire ça, il faut faire ci ou faire ça, ou que vous répondez à des questions que j'ai pu potentiellement vous poser, dites-vous que ça aura effet souvent longtemps après, hein, en vidéo. Je vous remercierai dans les commentaires de la vidéo et j'appliquerai potentiellement ce que vous me dites bah, plus tard dans les vidéos, forcément, hein, puisque bon. Au moment où j'enregistre cette vidéo-là, n'y a même pas le premier épisode, la découverte, qui est sorti. Soyons honnêtes, hein. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Étranger, si vous avez un instant. Oui, alors, la dernière fois, on s'est arrêté devant elle pour lui parler. Sur ordre de l'adjointe d'Emina Salvi, autrement dit moi. Le phare est fermé. En revanche, nous aurions bien besoin de l'aide d'un étranger. J'ai besoin qu'une personne n'ayant aucun lien dans la région se penche sur cette affaire. Il semble que quelqu'un se soit introduit dans le phare pour éteindre la flamme. En conséquence de quoi, un navire s'est écrasé contre la berge. Il y avait moins de corps que prévu, vivants ou morts. Je soupçonne une opération esclavagiste. Donc, ils ont dû avoir de l'aide en ville. Je trouve cela inacceptable. Découvrez qui a mouché la flamme. Cela nous mènera aux esclavagistes. Interrogez Delms. Il était de faction ce soir-là. Il est au phare. Je dois consulter le contremaître. Ces ouvriers fouillent l'épave. J'aimerais savoir ce qu'ils ont découvert. Le temps qu'on nous alerte et qu'on organise une réaction, nous avions perdu beaucoup de temps. Nous en avons sauvé quelques-uns, mais trouvé encore plus de cadavres, noyés ou brisés contre les rochers. Cool. Malgré cela, nous sommes loin du nombre de personnes qui se trouvent normalement à bord d'un navire. Bah après, si c'est un navire, si c'est un navire esclavagiste ou je ne sais quoi, c'est souvent le cas, non? On sait pas vraiment le nombre qu'il y a. Donc attendez, je me fais une clopette et puis on y va, hein? Vous savez, mon addiction à la cigarette, malheureusement. Je vous déconseille fortement, hein, je le répète, hein, ne commencez pas à fumer, même pas à papoter, même pas les je sais plus quoi là, les machins. Je sais plus comment on les appelle là, les espèces de sticks là à des parfums, même si c'est 0%. Vous prenez pas cette sale habitude de prendre de la fumée dans la gueule et puis. Pour la recracher, c'est gentil, c'est beau, mais ça a bon goût pour certaines. Mais c'est une sale habitude. Et après, en fait, c'est con que ça peut paraître. Alors, je sais pas les prix hein, des sticks, là, je sais pas quoi, là. C'est une dizaine d'euros. Franchement, gardez votre argent. Utilisez-le pour autre chose. Hein. Achetez une bouteille d'eau à la place. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Une petite bouteille d'eau, là. Hop! Alors je sais, il faudrait que j'arrête, mais un peu compliqué. C'est pour ça que je vous dis de pas commencer d'ailleurs. C'était un voilier typique du continent. Il devait transporter l'habituel mélange de marchandises et de passagers destinés à nos côtes. J'imagine qu'un tel navire ne ferait pas le voyage sans remplir sa cale. Maudits esclavagistes! C'est quoi, ils voulaient récupérer le bateau pour transporter des esclaves? Ils voulaient faire quoi? Depuis que notre accord avec le pacte fait effet, l'esclavage est interdit dans presque tout Morrowind, mais nous n'avons fait que chasser les esclavagistes dans l'ombre. Tout ce maudit événement porte la trace de leurs doigts pleins de sang. Merde, le pire c'est qu'aujourd'hui je me suis rappelé le nom du. Il y a Morrowind. Il y en a deux. En fait, il y a trois jeux
Elder Scrolls que j'ai joué, il y a Morrowind. Il y en a un super connu où on commence, on est dans un chariot, il y a même un dragon qui s'en vient, et c'est le plus connu, je crois. Et c'est celui-là qui me sort toujours de la tête, et il y en a un autre. Il commence par B, je crois, je sais plus, oh, je me rappelle plus. Ça date un peu, hein. Je crois que j'y jouais sur PS3 à l'époque. Donc, bah pas Morrowind, mais... Ici. Et dans tous les autres territoires contrôlés par les grandes maisons qui soutiennent le pacte de Kereben. Si vous vous engagez dans les territoires Telvanni ou Dress, la pratique reste bel et bien vivace. D'où mes soucis. Nous ne sommes qu'un petit avant-poste sur la côte de la Mélancolie, mais je nous considère comme la porte de Vardenfell. D'ici, on arrive facilement à Vivec et aux autres destinations à l'intérieur des terres. Le gouverneur Omelian dirige, mais je fais le nécessaire. Ok, bon allez, on va aller parler. Mais attends, comment je fais pour T? Non, je veux pas piller rien du tout. Ah, c'est pénible pour moi monter les escaliers. Oui, il y avait un casque. Nul n'est admis ici. Elle vous a demandé ça à vous, un étranger? Ça ne lui suffit pas de m'envoyer ici garder la flamme indéfiniment. Il faut en plus qu'elle demande de l'aide hors de la garde de maison. Bah ouais, s'il y a un traître. Après l'autre nuit, j'aurais dû m'y attendre. Findun a envoyé un tonneau de sa meilleure bière pour l'anniversaire du capitaine de la garde Bethes. C'était du puissant. Un verre, et on ne tenait plus debout. Ah ouais, d'accord. Tout le régiment a roulé sous la table. Son bourré la gueule. Quand je me suis réveillé, le feu s'était éteint. Écoutez, quand j'ai entendu un grand choc sur la berge, je me suis dépêché de donner l'alarme. Adorlo adore traîner près du phare. Elle aura peut-être remarqué quelque chose. Si vous voulez faire votre boulot, allez lui parler. Dans l'eau, c'est elle, je crois. Non. Elle est dans l'eau. Ça fait quoi si je me jette dans le vide? Je vais pas tester. Je vais pas tester. Non, remonte pas les escaliers, s'il te plaît. Ah. Hop. C'est parti. Adore l'eau. Voilà. Oh. Ah, attendez. Par contre, une petite question. Option, commande. Sauter, espace. J'ai un petit problème avec ça. Qu'est-ce que... Je pourrais mettre quoi? Ah, je peux pas? Ah si. Associé. Ouais, la course auto, je m'en bats les steaks un peu. Pour le moment, on verra après. Mais voilà. Alors, c'est pareil, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une manette de droitier. Donc, vous vous doutez bien que les boutons qui sont sur les côtés des machins, ils sont, comment dire, pas très pratiques pour moi en vrai. Parce que en fait, il se trouve au niveau de mon du majeur et de l'auriculaire. Alors que, enfin, de l'auriculaire plus exactement, que
Normalement, ça devrait être au niveau du pouce. Alors, Adorlo, elle était dans l'eau, je crois. Voilà, elle est là-bas. Putain, il nage. Ok, Adorlo. Vous permettez? Vos sales chaussures contaminent ma mare. Je t'en remets. Vous êtes si direct. Ça me flétrit la langue, mes réponses se dessèchent dans ma bouche. Allez déranger quelqu'un d'autre avec vos questions arides. Et en plus, vous m'insultez? Je me débrouille très bien toute seule. Et puisque vous en parlez, j'ai remarqué que ma mare préférée a l'air un peu stagnante. Si j'avais du mélange spécial de Findoun, je suis sûre que j'aurais la gorge moins sèche. Findoun en collecte dans un endroit secret, là où la mer s'unit au marais. Il y a juste assez de sel pour prendre soin de mes écailles sans les assécher. Vous pouvez lui en acheter ou aller en chercher par vous-même, et ensuite nous pourrons discuter. Dommage. C'est où ça? Rien collecter en fait, c'est ça qui me trouble. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aucune mémoire des noms. Donc c'est compliqué pour moi de. Le mont Écarlate bouillonne. Alors, mélange de fines doigts, oh, 30 pièces, c'est bon. Ah merde, c'est vrai. Acheter. On profite pour tout réparer. Voilà. C'est pour Adorlo? Ouais, c'est pour Adorlo. C'est bien mieux. Voilà. Ça, c'est la bonne façon de poser une question. Vous savez quoi? J'ai bien remarqué quelqu'un près du phare ce soir-là. Oh, vous ne posez que des mauvaises questions. Je n'ai vu personne ce soir-là, mais je les ai sentis. Ils faisaient des ondes dans l'eau. Quelqu'un s'est arrêté à l'arbre qui surplombe ma mare. Puis il est parti vers le phare. Regardez du côté de l'arbre, peau humide. Je préfère quand mon eau est calme, étale. La curiosité provoque des vagues, et les vagues attirent des questions des peaux sèches. Ok. Mon enfant devrait votre vraiment est de la lumière, fille de Bornel. Vos plans sacrés. Nous avons mené la mer pirate droit sur les écueils et libéré ceux qui avaient été injustement emprisonnés. Mère de drogués ont dormi tout du long, comme nous l'avons ordonné. Ne vous traversez pas pour les vies perdues. Les innocents ont survécu et les mauvais ont péri. Contemplez votre juste récompense qui accompagne ce message. Et allez à paix. Vous nous connaîtrez par cette phrase. La fin des mots est A L M A L M C J. La fin des mots mariage. Des mots et A L M.
connaîtrez par cette phrase. Oh shit. Causer des ennuis, vous le regretterez. Pas maintenant, citoyen, je suis dans les ennuis jusqu'au cou. Vraiment, étranger, je suis ravi que vous essayiez d'apprendre nos coutumes, mais les paroles du tribunal sont ridicules quand on essaie de les dire comme ça. Contentez-vous de faire du tourisme, laissez-nous ces histoires de religion. Ok, il y a un lien avec les religions. Ni coquin. Oh. Ok. Pardonne Fell peut se montrer dangereuse. Des esclavagistes, des rochers qui tombent du ciel, une montagne qui menace d'exploser. C'est à se demander ce que je fais là. Oh, le chat, s'il te plaît. Qui nourrirait ces gens sans moi? Je ne pourrais pas porter ça sur ma conscience. Je vais juste voir ça. Croquis, bougie ordinaire ensemble. Vous savez que moi, ça va être compliqué parce que je vais acheter tout ça, moi. Choix de chef. Type de limite de meuble. C'est un meuble. Okay. Enseigne de cuisine. Enseigne un vrai pouvoir par ceux qui maîtrisent le feu, la cuisine, la bouche. Ah, vas-y, on apprend quand même. Ok. Moi, j'ai rien. Ok. J'ai plein de belles marchandises. C'est plus fort que moi, hein, je suis obligé. Ok. J'achète, je vends, j'échange, c'est ici. Ah, d'ailleurs, j'ai pas été voir. Il n'y a pas. C'était où? C'était là, je crois. Non. Mais comment journalière? Je dois avoir un truc, non? Pierre d'âme, ma couronne. 10 sert à nuit, joueur. J'achète et je vends. Parchemin d'expérience avec Esther, ma jeu. Alors je crois que Nicole Geek avait récupéré celui-là, donc c'est lié par tous les pour tous les comptes. C'est un petit peu dommage. Bon, par contre. La maison Redoran contrôle l'Ouest. C'est en rapport avec le tribunal, pas vrai? Désolé, mais j'essaie de ne pas m'occuper des elfes noirs et de leur religion étrange. Qu'est-ce qu'elle fait? Le chat, il est déchaîné le soir. Putain, bordel de nuit. Chanson à boire. Sommes les nains sous la montagne. Pardon. Connaîtra. Non, 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 je veux pas. Par contre, je veux bien. Est-ce que. Un. Feu de cuisine. Est-ce que je peux? Ah, pour obtenir les ingrédients de cuisine de votre poisson non. De votre poisson non trophée, vous devez lever des filets. Pêcher des poissons non trophées comme des poissons carnassiers. Et cliquer dessus pour les affecter à l'emplacement filet.
Appuyez sur R pour lever les filets ou appuyez sur X pour effacer votre sélection. Souvenez-vous, une fois que vous avez les filets, choisissez l'icône du plat ou boisson pour fabriquer des aliments avec les filets de poisson. Ok. Cuisine. Oh putain. Sélectionnez cuisine ou brasserie, puis choisissez l'objet que vous souhaitez préparer. D'accord. J'ai pas. Poisson. Ah, je peux. J'ai ce qu'il faut. On augmente la récupération de santé de 650 pendant 35 minutes. Bon chargement, on évolue niveau 1 à 4. 660. Ah, c'est la même chose. D'accord. Ok. Je veux faire. Max. Air fabriqué. Vas-y. Êtes-vous sûr? Oui. Ça me coûte une pièce d'or, c'est ça? Une pièce. Meubles. Thé à la menthe. Vas-y, moi je fais tout. Le chat, bordel. Il va me faire du bordel. De jasmin, on monte la récupération de magie. Ok. On fabrique. On fabrique tout. Putain. C'est une horreur, les chiens. Vraiment, ta récupération de vigueur, 630. Bah écoutez, on va tout faire. Hein. Ok. Ah, attendez, parce que du coup. Non. Alors, émote, allié. Raccourci. Oui. Ok. I. Attendez, parce que du coup, voilà, j'ai plein de choses. Augmente la vigueur. Comment je fais? Mettre au rebut, hein, c'est pas une utiliser. Demander elle, mettre au rebut. Non, je veux mettre. Comment je fais? Je fais. Attendez. Hiver, objet à couronne. Objet à couronne. Réparation, conteneur. Commande de maître. What? C'est artisanal. Poison, potion, recette, boisson, nourriture. Comment je fais pour mettre. Ils ont dû me le dire à un moment donné, mais je sais pas où. Utiliser Alt quitter. Comment je fais? Si on est trop revu, détruire, demander aide. Bordel. Ah, raccourci. Raccourci. Voilà. Alors. On a quoi? Récupération de santé. 660. C'est tous les deux 660. Bah, moi, je vous dis, tant qu'à faire, on va mettre ça. Ensuite. Voilà. Non, cachez votre casque. C'est ça que je veux. Il n'y avait pas le machin Ginkgo là, je peux pas utiliser ça. Mementos, aligné. Asymptonic, Ginkos. Là. Et le T pour magie. Magie. Tac, tac, tac. Ok. On va faire ça pour le moment. Ok. C'est cool. J'avais pas remarqué qu'il y avait ça. On va en face. C'est parti. Je m'excuse pour ce qui va arriver. Pourquoi tu vas péter? C'est dégueulasse.
Madame. Vous aimez les tomates fermes et juteuses? Elle est bonne. Ces âneries de tribunal sont presque aussi drôles que certains trucs qu'on m'a racontés à Vrodgar. Dites, si vous voulez qu'on se voit plus tard, je connais quelques histoires paillardes que j'adorerais vous raconter. La madame, elle me parle de tomates juteuses, puis après, elle veut qu'on se voie plus tard. Ça va pas, ça, madame. Patron Sagossier. Je vais acheter ça. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Hein. Est-ce que ça me donne plus d'espace? Ou quoi aux caisses, j'en sais rien. J'achète et je vends. Alors. Voilà. Ah, moi j'apprends tout. J'ai ce qu'il vous faut. J'apprends tout, je veux tout. Alors par contre, je monte pas aux étages et tout ça. Parce que... J'avais parlé au gouverneur. Un étranger. Quoi? Qu'avez-vous dit? Je vous suggère de partir avant que je lâche les gardes. Je veux bien, moi, Minnie. Malgré toute l'émotion causée par le naufrage récent, un conseil, ne parlez pas du tribunal au gouverneur. Il n'est pas ravi des dernières réglementations imposées par les dieux. Ok, d'accord, madame, mais je fais que mon boulot, moi. Je fais que ma quête. Ok. C'est qui encore apparu? Là-bas. Je vous ai à l'œil. Oh, bah, tu peux m'avoir à l'œil. Bienvenue dans notre boutique. Un fort. Nous ne voulons pas attirer l'attention. Mais que s'est-il passé? Je croyais que je devais aller au dépôt. Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour me donner ma récompense, hein? Déjà? Faites voir. Oh, c'est magnifique. J'adore travailler pour le tribunal. C'est tellement mieux que de faire carrière comme voleur à Vivec. Mais où est votre casque? Je n'avais jamais vu d'ordonnateur sans casque. Ah oui, nous ne sommes pas censés parler d'ordonnateur et du tribunal dans un endroit aussi public. Mais c'est tellement bien de travailler pour une cause juste, pour une fois. Et avec une tâche aussi simple, éteindre la flamme du phare. Enfin, Almsevi est la fin des mots. Oh, c'était facile. J'ai glissé un somnifère dans la bière qu'ils avaient commandée pour l'anniversaire du capitaine de la gare de Bethes. En moins d'une heure, tous les gardes dormaient. J'espère pouvoir vous rendre à nouveau service pour le tribunal. Ok, bon. Il y a de la brouille dans leur histoire. Bon, il faut que j'aille reparler à Sabine. Je suis pas très fanat des personnes qui font leur machin. Elle est où? Merde. Que voulez-vous? Elle est là. Eh, tu m'embarques pas. Malheureusement, l'épave ne m'a rien appris. Avez-vous découvert quelque chose lors de votre enquête? La jeune femme qui travaille avec l'épicier.
Le tribunal ne lui demanderait certainement pas de commettre un acte aussi dangereux. Avez-vous une autre preuve que sa parole ? C'est dérangeant. On dirait les parchemins que le gouverneur Omelian commande sur mesure depuis Autroche. Je vais avoir besoin que vous me rapportiez un échantillon de son bureau. C'est la seule façon d'en avoir le cœur net. Il se rendrait compte que je le soupçonne de travailler avec des esclavagistes. Ou le tribunal, même si je considère encore cela comme un mensonge. Non, si je l'alerte trop tôt, il couvrira ses arrières. Pas au bureau. Il les garde dans ses quartiers privés, accessibles via la maison des gardes. Mais je ne vous suggère pas de vous introduire dans ces quartiers pour voler un parchemin vierge. Ce serait illégal. Nous nous comprenons bien ? Oh, non mais... Ça par contre c'est pas cool. On va regarder s'il n'y a pas une autre entrée. Hein. Ah ouais, ils me font faire une infamie. Marie 7, je suppose. Ah, notre client préféré. Que puis-je faire pour vous ? T'es sérieux ? Oh, merde.
Attendre. Attendre qu'il revienne, qu'il se mette là et on va passer. Déjà de retour ? Rassurez-moi, vous n'avez rien fait d'illégal, hein ? Ouais, ouais. Bizarre. On n'a pas inspecté l'île de Brulfalen depuis que le gouverneur Omelian a décidé de consacrer la garde de maison aux patrouilles plus haut sur la côte. Et ces parchemins sont bien identiques. C'est très dérangeant. Peu importe ce que je pense, il nous faut des preuves. Mais nous devons aussi organiser des secours. L'esclavagisme est illégal dans le territoire du Pacte. Nous devons aller sur l'île de Brulfalen. Avec un peu de chance, nous trouverons d'autres preuves des liens du gouverneur Omelian avec tout ceci sur place. Courage. Attaquer avant que les soldats ne soient réunis ? Ce ne serait pas prudent. Nous devons rassembler nos forces, préparer notre action et des plans de repli, ouvrir l'armurerie... Que se passe-t-il ? C'est un signal de détresse. Il provient de l'île de Brulfalen. Plus le temps de nous préparer. Nous devons secourir les prisonniers des esclavagistes. Soldats, embarquement ! Cap vers l'île de Brulfalen ! Carrément, je prends un bateau et tout. On va se croire dans Pirates des Caraïbes. Ah ouais, bon, moi mes petits plaisirs c'est café club. Je sais pas pourquoi je me dis ça. Bon. D'accord, je pars sur un gros navire. Enfin, c'est logique, mais. Brut esclavagiste, d'accord. Les causes là-bas. Oh oh. Bon, vous savez que je vais faire mon mode bourrin. On est d'accord ?
enfin libre. Merci. Je vous dois une fière chandelle. Ma gratitude éternelle. Il m'en manque un. Ah, je trouve un autre bouton. Bon, c'est un petit peu ce que j'aime pas trop dans les mémos, c'est que. Toi, si tu veux, bon, c'est même, on est d'accord, MMO, Massive, c'est fait pour jouer à plusieurs, on est d'accord. Je croyais que c'en était fini de moi. Ce que c'est. Bon, encore une mission de fête. Bon, à part que j'ai une prime sur la gueule, je sais plus, il me semble qu'on peut aller voir un endroit la prime qu'on a.
Bon, après, il y en a un qui était plus bourrin que moi, il s'est fait voir. Moi, je sais pas si j'ai été vu. Je sais que j'ai été vu deux fois rentrer par effraction. Il y a des choses que je suis pas encore. Non. J'ai un truc dans compétences. Artisanat. Couture. Couture 1. J'oublie en fait d'utiliser les machins. C'est bizarre. Personnage. Ah, j'ai une prime de 22 pièces. Oh, est-ce que je peux pas aller la payer, la prime de 22 pièces, sérieux? Elle est où? Elle est où? Je la vois pas. Où t'es où? Et je sais pas d'ailleurs, dites-moi où c'est qu'on doit aller pour travailler pour. Encore un prévenu? Vous êtes combien? Finissons-en. Passez-moi votre prime. S'il vous plaît, respectez la loi désormais. Voilà, si c'est ça, c'est bon. Ah, attends, il est où? Ah merde, j'avais pas vu que c'était là. Vraiment. Quelqu'un a attaqué le gouverneur. Ce garde survivra. Vous avez trouvé quelque chose sur Brulfalen? Le gouverneur espérait donc utiliser la Morag Tong pour couvrir ses traces, mais ce message vient s'ajouter aux autres preuves que vous aviez découvertes. Bravo. Vous avez rendu un grand service à Sedanine. Je me charge du reste. Gouverneur adjoint. Sergent, où est le gouverneur Omelian? Que s'est-il passé? Le gouverneur m'a frappé par derrière et a pris la fuite. Le gouverneur cherche à échapper à la justice. Attrapez! Ok. C'est quoi ça? Amélioration. Ah ouais. Attends, non, je sais pas. Meuble, meuble. Non. Je comprends rien. Ah là. Objet d'ensemble. C'est quoi? Résumé. Zone. Pack de jeu. Arphalène. Ok. Et ça, c'est quoi? C'est tout. Il fallait juste voir ça. D'accord. Habitation. Style et tenue. Mentor, récit et gloire. Histoire, objet de collection. Non. Outil. Ok, d'accord. C'est pas gagné. Hein.
Non, mais ouais, j'aurais voulu artisanat. Y a pas, on peut pas faire des trucs d'artisanat sur nous-mêmes. Non, j'ai pas d'amis. Situation courrier, clique. Amis, groupe, carte, collection, journal, compétences, mon personnage, inventaire. Amélioration du brillet quand couture atteindra le rang 5. Permet d'utiliser la toile de jute et la peau brute. Ok. Mais c'est... Attends. Matériaux. Je veux pas ça. Didacticiel. Base du joueur. Ta. Non. Y'a pas un machin artisanat? Ouais, non, mais. Combien c'est l'énergie, justice? Artisanat. Tailleur, du coup. Un tailleur parcourt le pays à la recherche de plantes qu'il utilise pour créer des vêtements et rassemble les peaux des créatures qu'ils ont besoin pour créer le cuir. Les tailleurs utilisent ces matériaux à des ateliers de tailleurs, l'une de nombreuses tables que l'on trouve dans les villes et villages de Tamriel. C'est là qu'il a... Ok, d'accord. Waouh. J'ai un petit souci. Bon. Je peux aller. Je pense pas que ça doit être par là que je dois aller. Je veux ressortir de l'eau. Alors, est-ce que je peux là? Putain! Je vais pas ressortir de l'eau. Entrée de palais de Vivec. Elle dégage. Si je peux récupérer un peu de trucs en même temps. Hein. Ah, attends. Morceau d'insecte à pas de rivière. Ok. Thank you.
Waouh! Ça va être dur ou pas? Vas-y, on va essayer, on verra. Hein. Si on meurt, on meurt. Hein. Oh, je meurs. Non. Attends. Ah. Wow, j'ai cru que j'allais crever. Et je sais pas ce que j'ai reçu. J'en sais rien. C'est quoi ça? C'est une Vassar, si en mode là, je l'accorde. Je pense que ça va être par là, mais... Voilà. Bienvenue au bureau de l'impresario. Elle n'est pas là pour le moment, mais elle revient bientôt. Si vous souhaitez laisser un message, sachez que vous ne pouvez pas. Un doux fumant herbe de sang, c'est quoi ça? Les derniers trois composants nécessaires pour enflammer un morpho... Hein? Un morpholite instable. Cette créature pourra être transformée en un autre ingrédient avec le silex de la terre morte, le frappeur des runes. Ouais, ok, d'accord. Caché, Paul. Ok. Ah merde, c'est pas... C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. C'est bizarre. Ok. Je peux rien... Non, je peux pas fouiller, mais je croyais qu'on pouvait pas fouiller. Ok. Ok. Bizarre quand même, je croyais que je pouvais pas voler comme ça. Il y a des trucs c'est voler, des trucs c'est... Je sais pas, c'est bizarre. Recherche locataire. Une chambre entre... Oh. Hey. Vous êtes un aventurier. Vous êtes un aventurier de bonne réputation. Vous avez des tendances homicides faibles à modérer. Vous cherchez une demeure confortable, mais manquez de fonds
Que diriez-vous d'une chambre d'auberge gratuite? Mais oui, complètement gratuite, sans frais cachés. Venez voir Fernand de Marie à votre auberge locale pour en savoir plus sur cette affaire exceptionnelle. Ça pue quand c'est gratuit. Eh bien? Eh bien quoi? Madame navigatrice, d'accord. Il y a quelqu'un là. Voilà, ici. Station de Fulvaz. Attendez. J'avoue mon casque qui commence à faire. Oh merde, on est déjà une heure. Pourquoi s'aventurer sur les grands chemins, ou payer le prix fort pour naviguer en autre lorsque vous pouvez voyager à dos déchassier des marais? Pourquoi vous accoquiner avec des caravaniers aux mœurs douteuses lorsque vous pouvez vous offrir les services de l'express du Mont Calat à des prix défiant toute concurrence? Bien de la pub de merde. Vous trouverez nos stations dans toute Vardenfell. Venez, toutes les destinations vous sont ouvertes. Vous êtes là. Attendez, oh putain, il faut tourner les pages en plus. On va lire ça et puis après on va s'arrêter là, je pense. J'en étais où? Toutes les destinations vous sont ouvertes. Vous êtes là du tumulte des rues de Vivec. Partez pour Balmora ou ses charmants aqueducs. Ou visitez les plantations de Suran. Vous étouffez dans les faubourgs de Gnixis. Faites donc un saut à la tour du caravanier et gagnez Tel Mora en un clin d'œil. Rendez-vous dans une de nombreuses tours de caravaniers de Vardenfell et partez où bon vous voulez semble. Où bon vous semble. Souvenez-vous, quelle que soit votre destination, elle n'est qu'à deux foulées des châssis des marais. Ok. On va savoir. Ah, j'aurais bien aimé aller à la. Okay. Voyez pas que je suis occupé. On recherche des aventuriers. Vu le volume de demandes d'aide de nos loyaux citoyens, un système d'appel d'offres est plus nécessiteux envers les volontaires a été mis en place. Consultez une aile d'Arano dans la salle de la justice pour plus de renseignements. Ça y est, c'était ça? Ouais, c'était ça. Tour des caravaniers, donc c'est ça. Donc c'est ça les fameux dos de je sais pas quoi. Ok. Là ici, ils doivent fabriquer un temple, je sais pas quoi. Ah, oui. Alors, si je vais juste, ça m'ouvre le truc ou ça se passe comment en fait? Ok. Il y en a 18. Ok. D'accord. R, position. Bon, je l'ai allumé, c'est principal, je pense. Marché d'Ataza. Ok. Venez faire affaire ici. Il y a des champignons qui poussent sous les pieds. What? Wow. Il y a des trucs partout. Entrez dans le palais de Vivec. Alors attendez, parlez à Philande de Marie à Vivec. Ouais, ça. Je vais aller à ça. C'est une cellule, le bordel. Écoutez-moi, collectionneurs et amateurs de cartes. Testez votre intelligence et votre courage dans un nouveau jeu de cartes. Les récits de gloire. Je...
Non, je veux pas ça. Où je dois aller, ça me fait chier. Ceinture de... Putain, je me rappelle plus. C'est pas là. Ça a l'air d'être quelque part par là, par contre. Bon. Je vais pas rentrer. Ok, ça marche. Putain. Dommage. Je vais être comment. Ah, attends, attends. Là, là, là. Ceinture de... J'espère que c'est bien ça. Non. Je veux juste aller faire ça, là. Ok. Elle nous a fait un Lumos en bonne et due forme. Faut pas être par là. Ah, désolé, je me perds, hein, je découvre. Est-ce que c'est elle? Sosia Épinard. Vous êtes sérieux? T'es où, madame? Là-bas. Vous avez une certaine apparence, une qualité qui n'est pas facile à trouver. Et croyez-moi, je ne me trompe jamais sur ce genre de choses. Je pourrais vous proposer une chambre à l'auberge locale. Ce n'est pas le genre de proposition que vous croyez. Écoutez, une chambre vide, c'est mauvais pour les affaires. Je me ruine en entretien. Mais je pense que nous pouvons trouver une solution. Et pas le genre de solution qui commence par quelques verres ensemble, je tiens à le préciser. J'ai besoin de quelqu'un pour améliorer la réputation de mes propriétés. Un héros que les gens admirent, et j'ai le sentiment que vous avez déjà accompli de grandes choses, mais que vous ne faites que commencer. On dirait qu'on peut se rendre mutuellement service. Oui, d'accord, des détails. Je sens que ça pourrait paraître louche, mais ne vous inquiétez pas, la chambre est bien tenue et a un emplacement pratique. Je vous connais, vous les aventuriers, vous voulez une maison dans chaque ville. Ça ferait une belle addition à votre portefeuille immobilier. Aucun piège! J'ai besoin de quelqu'un pour rafraîchir mon image et j'ai le sentiment que vous serez parfait pour cela. Tant que vous ne comptez pas en faire une fumerie de skooma ou un refuge de hors-la-loi, la chambre est à vous.
Tout à fait. Vous pouvez installer des ateliers d'artisanat, loger vos familiers, afficher des trésors ou des trophées que vous auriez trouvés lors de vos aventures. Vous pouvez même installer un mannequin pour vous entraîner au combat. Ne cassez pas les murs, et je serai contente. Excellent. Vous ne regretterez pas votre décision, croyez-moi. Voici la clé et l'acte de propriété. Il m'a fallu un moment, mais j'ai fini par les reprendre à l'ancien occupant. J'aurais bien aimé passer moins de temps dans les égouts, mais bon, c'est le métier qui veut ça. Maintenir les propriétés. J'espère que la chambre vous plaît. Avec votre réputation, je suis sûre que les voisins ne vous poseront aucun problème. Dans le cas contraire, rappelez-vous, les menaces de mort ne sont pas la bonne méthode. J'ai eu un petit problème quand mon locataire précédent a commencé à en envoyer. Non, faites comme chez vous. Décorez un peu. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce que vous en ferez. Avec un peu de chance, vous aurez moins d'hôtels d'Edric que l'occupant précédent. Zéro. Zéro. Ça me conviendrait bien. Mentir ? Pourquoi mentir ? Je comprends pas. Oh, quel soulagement ! Vous n'imaginez pas ce que c'est difficile de laver des taches de sang sur des pavés. Et ce n'est pas le pire. Certains locataires mettent des choses incroyables chez eux. Des montures, des arbres, des assistants. Bonté, Edric, c'est une chambre d'auberge. Je possède plusieurs établissements en Tamriel. J'aime la diversité. Bien sûr, cela me force à gérer toutes sortes de problèmes, mais personne n'a jamais dit que l'immobilier serait facile. Ok. D'accord, je fais comment alors ? La salle de champion lunaire. Hein ? Monter en niveau. Waouh. Mais vas-y doucement. C'est quoi que j'ai lu ? Ah non, bah, c'est ça en fait. Mais j'ai rien d'autre en fait. Quoi ça? Très. Hein? Morceau de la machine. D'accord. Ok. J'ai pas vu. Il y avait un truc avec un avec le U. Oh bordel. Bon, ça va être un petit peu plus long. Hein. Je veux juste découvrir ce que c'est ça. Alors attends, F. Qu'est-ce que j'ai appelé? Ensemble de G, anneau de santé, mine et compétences réassemblables. Ok, recevoir. Ok. Hop, un santé. Et qu'est-ce que j'utilise? Ouais, on va mettre un magie, parce que j'en ai encore? Non. Non, j'en ai plus. Alors, dépenser les points. Voilà, confirmé. J'ai l'impression que le fouet me sert plus que autre chose. Alors, serre noire. Attendez. Ah, culturel. Compétence de nordique. Fêtard, résistance au froid. Mais je sais pas. Ils me disent quoi, serre noire? J'ai plus de... Serre noire. Arme en fusion. De l'est. Arme en fusion. Ok. Il me faut combustion et pot de fer. Attends. C'est où ça? Combustion.
J'y pense pas. Ah, d'accord, compétence passive. Combustion augmente les dégâts de débloque lorsque flamme ardente atteint le rang 8. D'accord. Ok. Combustion et peau de fer. Peau de fer. D'accord. Peau de fer. Augmente la quantité de dégâts que vous bloquez de 4%. D'accord. Et combustion. Ah. Combustion, c'était quoi? Augmente les dégâts de vos effets enflammés et empoisonnés de 25%. Lorsque vous appliquez brûlure à un ennemi, vous récupérez 500 magie. Lorsque vous appliquez empoisonné à un ennemi, vous récupérez 500 vigueur. Oh putain! Pardon. Et éclat obsidienne. Mission point de pierre. Évolution de compétences disponibles pour un point de compétence. Ok, d'accord. Bah non, d'abord on va faire ce qu'ils nous disent et puis on verra bien, d'accord. C'est collection, habitation, pas dans collection. Fuck. Je vais bien me laisser où. Ah, d'accord. De base, résidence principale, renommée, liée. Invitation, dialogue, voyager vers la maison. Ok. Pour personne, ouvrez l'éditeur F5. F5. C'est petit. Placez des. R. Logement. Acheter, récupérer, placer, acheter. Hein? C'est quoi ça? Ce banquier aristocrate est là quand on a besoin de lui pour toute opération bancaire personnelle, sauf en sirodile ou sur le champ de bataille. Il se centre en danger. Lorsque vous invoquez. Il offre ses services, les membres du groupe et vous-même. Diplomate de meubles, objets de collection spéciaux. Ce matériel existe pour vous servir le banquier personnel, sauf en sur. Attends. Ah, moi je vais à atelier. Ah, je comprends pas. On paye avec des couronnes, mais est-ce qu'on reçoit des couronnes dans Abreuvoir? What? Machine. Mais. Outil. Je comprends rien. Mortier, pilon, mécanique, frité. Suite, salon, salle à manger, lumière, galerie, foyer, divers, crypte, conservatoire, bâtiment. Pilon, mécanique, tabouret. Service, bâtiment. T'es sérieux, c'est quoi ce bordel? Meuble traditionnel. Invitation à la population 1, d'accord. Réglage.
visiteurs, liste des bannis, visiteurs de guild, liste des bannis, les résidents principaux, un accès interdit, machin. Wow, mais... H. Et c'est tout petit, qu'est-ce que tu veux foutre là-dedans? I. Je peux rien faire. R. Je sais pas, je comprends rien. Placer. Breton, filtre. Lieu, banque inventaire, objet de collection, stockage à la maison. État lié, délié, meubles traditionnels, meubles spéciaux. Ah, mais... acheter. Putain, j'ai compris. Récupérer. D'accord, non, mais ça, je m'en fous. Bureau de routine. Ok, bon, écoutez, on va s'arrêter là. Moi de mon côté je vais aller rechercher sur YouTube peut-être un petit peu plus sur l'artisanat histoire que je comprenne. D'accord. Attends, F5 quitter. D'accord. Ouais, je vais aller voir sur YouTube ce qu'il en est. Ouais, bah, une heure et demie de vidéo. Franchement, j'aime bien. J'aimerais un petit peu plus comprendre tout ce qui est lié à l'artisanat. Donc, je sais que normalement, vu qu'il est 4h du matin, normalement, cet après-midi, vous allez avoir la vidéo découverte de ce jeu au moment où je tourne cette vidéo. Donc je saurai normalement, hein, sauf si vous ne me dites pas ce que vous voulez, est-ce que je continue ou est-ce que vous en battez les couilles. Et voilà. Donc moi j'aime bien, donc moi je vais continuer à jouer de quoi qu'il arrive. Donc à vous de me dire si ça vous plaît ou pas. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le like, le commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour être au courant de chaque sortie de vidéo et notamment genre... Tezo sera le genre de vidéo qui peut popper à n'importe quel moment, c'est-à-dire que je vais enregistrer, je vais faire le montage et ça sera un petit peu quand je voudrais qu'elle sorte, et je plauderai le bordel et puis on verra. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.